Mais troublant, c'est monde là en général. En général. Et c'est ça nous allons faire aujourd'hui, ensemble avec nous, dans le jour vendredi, pour nous montrer nous que qui raison, qui cause qui fait que le monde là lui-même est troublé comme ça. Et année 2024, là, c'est une année qui est plus enragée que toute année qui passe. C'est une grande guerre qui a fait dans l'histoire de l'humanité et qui a passé pendant l'année ça là. Nous sommes dans le cinquième mois dans l'année qui est de mai, nous sommes même dans la moitié dans l'année. L'année qui est en train de faire des choses qui sont extraordinaires. Comme je dis que dans le moment, Stael, c'est un paquet scientifique, bien scientifique chaud. Ok, il n'y a pas qu'on est qui ça vous fait parce que, en principe, il y a un bien, dérèglement climatique dans trois pour vous. Je constate un paquet de phénomènes cosmiques qui vraiment a bail problème, que ce soit par rapport à le soleil là, et des zones qui ont traversé ce système là, en provenance du centre galaxien. Et monsieur a constaté des bagages qui sont vraiment phénoménales et qui dépassent par rapport à ça, vous avez compris, sous causé réchauffement climatique, jusqu'alors tout ça que vous connaissez. Eh bien, c'est dans l'optique ça que nous gagnons au pays comme les États-Unis, surtout dans le courant monsieur les républicains, ils ont déjà méprisé question et réchauffement climatique. Là, ou après que l'accord que monsieur Obéien a gagné avec la France et tout ça, les États-Unis, sous un rapport avec. Et Donald Trump a retiré l'école, bien que M. Obi rentre là avec Biden, mais il n'y a pas bay trop attention à ça parce que le phénomène, on connaît que ça n'a pas les qui provoquent, ça nous comprend qui provoque le réchauffement climatique. Il y a beaucoup plus que ça, que n'a parlé de l'industrie et autres gaz à effet de serre, tout ça, et même un phénomène qui reprend dans l'année ça. Et en même temps, la Nina, qui est féminin, eh bien, on va aller beaucoup plus loin que ça. C'est ça qui fait Américain pas perdre du temps dans observer tout un ensemble de bagailles. Et même l'Europe qui est plongée dans ça, on vient, et qui a parlé de énergie 100% vert, eh bien, et qu'on y a là, il est obligé à prendre volte-face parce que la guerre. Abdi yo kounya, fok yo baka abandonne le nucléaire là, fok yo tourne la donne. On paquet problème que monde là a confond à yo même là actuellement. Maintenant, c'est bien dommage, pas bon la kaye nous gon paquet imbécile, on a dit ça. Nous gon paquet, c'est littérature yo kon fait, et c'est français yo kon balé, yo c'est des moussotes, c'est des kanks. Qui pas comprendre que pour yo contrôler et mener pays yo par rapport avec actualité mondiale yo ça fait actualité surtout question climat qui actuellement a dégénéré monde là et même par rapport à géopolitique là yo pas contre côté pour nous positionner. Donc nous avons ignorance qui parle sur pays d'Haïti qui est terrible et journée aujourd'hui en Haïti étant fait partie de globe terrestre qui gagne un gros bouleversement climatique ça. Eh bien, et normalement, l'a subi des conséquences que nous capables de vivre ça, nous capables de vivre ça par rapport à événements qui produit au Cap-Blanc et hier soir, côté éboulement qui tuait environ 13 moun, 12 à 13 moun, selon le chiffre que vous avez, eh bien, son bagage catastrophique, est-ce que vous comprenez, par rapport avec type de construction que nous habitués faire, ok, qui vraiment pas problème, non seulement il y a un problème climatique, même j'en ouais, la pluie en vie plus que 10 jours, la tombe sur Haïti, c'est pas seulement sur Haïti, il fait plusieurs côtés dans le monde là, et tout cela c'est à cause de dérèglement climatique là, que nous allons expliquer dimension cabalistique, pour qui raison nous dans ça, en façon que, parce que nous-mêmes, en même temps, nous avons dit bagaille qui a fait monde peur, mais en même temps, tout n'a pas assuré moun qui compte tête, moun qui compte côté au galé, élu yo, particulièrement, pour yo connaître que ça qu'a fait là, li pas vraiment totalement négatif, son libération que moun là a connaît,
en libération d'une série de forces négatives, son phase de transition, c'est en crise transitoire, son scandale nécessaire, tout événement apocalyptique que nous avons vécu. C'est-à-dire que je vous dis, nous plaît sur ça, ok? Pas de maintenance à Haïti, nous pas de monde, parce que on pays, pratiquement, pas de aucun scientifique sérieux là-dedans. Il faut nous dire fort, vous comprenez? Vous connaissez un coup Daniel Maturin que nous perdu, ou pas jeune plus jeune et comme ça. En pile monde des problèmes avec elle, c'est comme ça haïtien et c'est journée aujourd'hui il y a pas de raison par rapport avec et toutes les salles de qu'on a parlé. Mais bien l'on pas gain scientifique ça yo, en bien qu'on y a là ou après on quantité énorme de prophètes, c'est tout à fait normal parce que faute de science, en bien en pile monde qui vient parler ça ou voulez, dit ça ou voulez, ça pas même maîtriser parler yo. Mais c'est normal. Mais là encore, il y a des pays qui utilisent des mondes qui ont des facultés qui comprennent, qui ont et qui permettent que l'État est capable d'orienter. Ce n'est pas notre cas. Ce n'est pas capable, nous, dans le pays d'Haïti. Les gens qui vivent, c'est comme si nous n'avions pas existé, il n'y a pas de monde. C'est à faire par eux, il y a bataille entre eux pour pouvoir. On prend, il y a 100 dimensions, il n'y a pas qu'à mettre tête ensemble, il n'y a pas même comprendre ça que nos nations. Donc, Haïti perdu, Haïti, haïtien, peuple haïtien, meilleur. Yo sans guide, donc on pile ignorant qui dans tête yo, et puis le monde entier a fait face à cette série de problèmes là, qui fait tout grand scientifique, demain, on côté dans le laboratoire, y a réfléchi, pour yo connaître comment y a affronté et fait face. Pendant ce temps, un groupe nèg qui, yo même, connaît qui ça a passé en tout, m'a parlé là de groupe monsieur Illuminati yo, et qui connaît que y a préparé on dans Jean Payo. Donc haïtien mandé qui ça l'a défendre sur la terre, qui ça yo qui objectif yo pas connaît rien que pour même pour grandir, qui ou même pour manger son bout de terre, pour dire que yo rend la vie impossible, yo pas même qu'à circuler, on prend les grandir c'est autorité, gain côté le pas capable dans pays et yo continue le même comportement, même attitude. C'est-à-dire que nous en avons fait à de véritables ignorants. Ignorants, on ne peut plus. Je vous dis, grâce à Dieu, nous avons une émission Haïti réveillé qui pour éclairer l'antenne nous, qui va permettre de nous comprendre cause ça, nos dimensions scientifiques, j'en ai toujours parlé, et nos dimensions spirituelles, kabbalistiques, j'en ai toujours fait. Donc, et vidéo. Passé au Cap là, les premiers concernés nous, Fred, on a regardé qui s'est passé au Cap, parce que c'est le premier bagage nous marqué, numéro 1. On a regardé qui s'est passé au Cap, la vidéo au Cap là, Fred, pour nous regarder ce qui s'est passé au Cap là. La barrière, en doux gaz national, barrière bouteille. Alors, quand elle a tombé, il est tombé l'autre caille qui est monde là-dedans, c'est réel. C'est en vrai, la ville au Cap Haïtien, la pluie a tombé, pas gain l'État, pas gain la mer au Cap, pas gagné au Cap. Quand il est tombé sur caille blanc, barrière bouteille, mon en bas de com, mon bas comme ça, vous faites. Mon arrose à boire, mes amis, secours pour ville Cap Haïtien. Barrière, en doux gaz national, barrière bouteille. Alors quand elle a tombé, ça veut dire que ça n'a pas constaté là au Cap. Il a déjà annoncé nous n'a pas une période cyclonique. OK? Il a déjà annoncé nous Jean Haïti pour aller prendre une période cyclonique ça par rapport à dérèglement climatique là. Il prévoit un paquet d'ouragans, un paquet de tempêtes et catégorie à très haut. C'est-à-dire que dans le niveau de tempête, ils commencent à partager qui quitte cette catégorie 4-5 que nous avons parlé avec Peter Ribio, ok, pour entrer dans la dimension 6. Ça veut dire que ça qui va le passer là, dans la période cyclonique, yo, c'est des bagailles terribles. Donc, pendant que nous avons parlé de insécurité, la nature même a préparé lui. Pour la fin de George. Et nous catégorisons tout ça, si pas de préparation qui fait,
parce que nous perdons toute dimension mystique, non? Si nous avons une dimension mystique, nous faut nous connait moun k'ap parlé yo. Journée jodiyan, en pile moun k'ap parlé qui dit que y a fait des travail spirituel et mystique en Haïti. Mais on pourquoi jamais tande moun a parlé pour parler de bac que yo doué bay à Metagwe qui pour contrôler tout événement, tout ouragan, tout cyclone, tout bagay sa yo la, qui va passer. Pour contrôler l'élément de l'eau normalement. Vous pouvez entendre parler de ça du tout. OK? Et taille yo qui t'a vivre là, yo pas jouer dans sens ça. Yo te connaît force ça qui dirige là, qui vibre là et nous a séparé de lui. Ça dit que on peut jamais entendre en quel monde parler de Metagwe qui capable lui-même bloquer tout bagage ça yo. Ça dit que dans moment femme dit que pendant la boumé pour nous changer Haïti plan politique là, nous même comme mystique tout nous gagnons des rituels que nous supposons faire. Et par rapport à événements cataclysmiques, catastrophiques, Jean-Oué Anakaona, qui est puissance de Confel, il était vibré sous dimension arc-en-ciel, couleur arc-en-ciel, cette couleur, pour te contrôler nature, pour te contrôler toute force nature, eh bien nous-mêmes, nous supposons que les bagages nous font. Pour aujourd'hui, ce n'est pas seulement la guerre, nous sommes à d'autres pays. Donc, pour ne pas dire que ce n'est pas important que les gens retrouvent dans des forts et des lieux fortifiés, mais il y a une chose qui est importante pour nous aujourd'hui, c'est la question de la question de l'élément de l'eau, c'est la question de la mer que nous devons contrôler. Et à partir de ça, nous avons tout mis en force sirène. Et si nous ne faisons pas ça, eh bien, nous n'avons pas quatre côtés dans le pays d'Haïti qui a pris un gros frappe et qui a même inondé. J'en ai ça a commencé à passer dans au cap. Au cap lui-même, nous avons tout annoncé ça. Au cap lui-même, c'est déjà un plan pour provoquer un tremblement de terre à tout tsunami pour engloutir au cap. Comme dit nous que c'est plein d'exagérés. Qui déjà positionné dans la zone là pour flanquer un tremblement de terre qui a provoqué un tsunami pour engloutir au cap et le nord même n'a pas voulu disparaître parce que ça permet en même temps d'émettre vibration, faire explosion ça yo en bas la mer, hein, permettre que métal et mine que vous voulez avoir accès à eux même là. Eh bien, vous montez. Eh bien, même j'ai son tremblement de terre qui était englouti bon ça, qui était gagné l'or et trésor ça yo. La donne qui te connaît à joindre métropole là, même j'ai pas un tremblement de terre, calcul fait tout, n'est-ce qu'à permettre que les gens qui en bas terre, ils monté, approché en surface, ça qui a facilité n'est-ce et qui a coûté moins de dépenses dans l'exploitation d'une série de mines que vous voulez exploiter en Haïti. Donc, tu es déjà qui menace ça sur le nord, que nous connaissons bien, complot qui a concocté, et monsieur, l'Occident a concocté pour le Nord, eh bien, qu'on y a gagné phénomène ça. Parce que pendant que vous avez plein, vous comprenez, vous avez fait ça, vous voulez, avec nature, à partir de antennes que vous avez en Alaska, près de 180 antennes, ok, qui émettent des ondes de haute fréquence et des ondes de basse fréquence à partir de l'ionosphère, hein, eh bien, pendant qu'on est à bien contrôle ça, soleil là, m'a dit, enragé, dans derrière yo, l'a vomi des jets de plasma qui viennent trouver dans haute atmosphère terrestre dans l'ionosphère là. En bien, tout ça a provoqué une série de dérèglements au niveau de noyau interne terre là directement et qui prend une bonne répercussion sur vent yo, nordé, alizé et autres. Donc, qui viennent compliquer encore le phénomène El Niño et La Niña. Ça veut dire que un paquet de phénomènes climatiques qui déréglent, monde climatiquement bouleversé. Et monsieur yo, pendant que, parce que bagay yo marche ensemble, phénomène de résonance qui connecte nature avec être yo, avec espèce yo, nous pas dissocier de nature et de espèce yo. Dans circonstance ça, et dans dimension ça,
bien même gens la terre bouleversée puis agitée nation yo agitée et c'est pour ça dans Matthieu 24 où est que gon liaison mais Jésus fait le la parler de événement yo li parle de signaler signataire dans la mer et autres et tous les hommes ne sauront que faire au bruit de la mer et de la multitude des flots. Ça veut dire que dérèglement climatique ne peut provoquer que gen un paquet de bateaux qui prend pas qu'à voyager, transférer manger d'un endroit à un autre. Donc haïtien préparé comme nous selon Luc verset 21 au Luc chapitre 21 verset 25 24 25 26 il a déjà dit la mer pral bay problème et ni pour la mer tout pral monter et yo déjà ouais ça commence à produire à partir de faute calotte pour l'air yo OK bien glaciaux au niveau de pôle yo a pon ni pour la mer a monter gros paquet de pays tels que Pays-Bas OK ça c'est des bagages nous clair sur yo c'est des pays pral outil OK pas bien bien maintenant pays ça yo pral prendre gros frappe donc nous croyons que nous arrivons dans un moment hein c'est prier baron oui. Prier bouc maintenant oui oui, bien, oui. Nous arrivons dans un moment pour nous faire prier bouc maintenant nous va rentrer dans prier bouc maintenant n'a tourner d'emblée ensemble avoir sous question bouleverse climatique qui gagne dans monde là et nous même en Haïti comment nous ca faire face et répondre en conséquence parce que en principe faut veiller toutes gens toute catastrophe pour ça nous te prend avec tremblement de terre provoqué monsieur li pari fait là et c'est pas naturel qui gagne quelque cause sur nous donc li mande un paquet de bagaille li mande rituel et tout le monde qui dit au mystique yo orienter nous vers force ça qui c'est agué pour nous gérer et tempérer naturel à tout à l'heure pour nous dire li à tout cœur nous bon Dieu qui fait soleil qui éclaire nous en haut qui soulevé la mer, qui fait gronder l'oreille. Bon Dieu, zot tande, caché dans un nuage. Là, li gade nous, li wè tout sable en fait. Bon Dieu, blanc mande crime, et pas nous, vle bien fait. Mais Dieu là qui si bon, ordonnez-nous vengeance. Li va guider bras nous. Là-bas nous assistance. Jete portrait Dieu blanc qui soif glonanger. Koute voix liberté qui parle dans cœur nous. Aïe bobo, aïe bobo, aïe bobo. Aucun problème, bon, pas vrai. Sans beaucoup monter tes ongles, t'as perdu matcha. Et bien, ça m'est venu, venu. Mon petit secret pour gérer cousu. Ouais, pour du ça, il est ultra bon. C'est un supplément naturel qui peut avoir aucun effet secondaire sur santé. Alors même si t'as fait six tension, on peut utiliser sans qu'elle saute. Seulement avec un dosage. Ouais, pour t'y gagner ça, une heure avant moment, ça faut régler ça. Ou bien matcha à la gant. Ou même qui a un problème, bon, depuis jeudi à solution en amont. Souffre à problème là, c'est pas faute moi, c'est pas faute Ultra Bonne parce que nous bonne nouvelle là, nous bon message là, nous bonne réalité. Ultra Bonne c'est mettre béton. Are you a man who misses the vigor and vitality of your youth? Do you find yourself longing? Aucun problème bonne pas vrai, son beaucoup monter te on gétant perdu match là et bien on retourne après pause là, merci pour fidélité. Attention, déjà nous gain maître Makatu qui est avec nous pour deuxième partie émission. Eh bien nous pral continuer ensemble avec maître Makatu pour approche mystique. Maître Makatu, à vous l'antenne. Oui, et nous tourner, nous dit nous tout merci pour patience nous et attention nous. Bienvenue dans l'émission Haïti réveillé. Eh bien et Ted nous croit que c'est important pour nous montrer mon yo que ça va passer. Et en Haïti, hein, ça nous vit en Haïti. Hein, la pluie qui a tombé depuis environ plus que 10 jours en Haïti, tant janvier sur Haïti, hein, eh bien, tout ça lié avec le dérèglement climatique. Hein, qui réellement, nous te dit, depuis printemps rentré, nous te dit qu'on vitesse supérieure qui pourrait le passer. Et là, au niveau sociétal, social, là, au niveau climatique, nous t'expliquons tout, là nous gardons signe ça à partir de Matthieu
et tant d'autres parties dans la Bible, c'est nous sommes capables de dire éclipse solaire que nous vivons. Eh bien, Magayou a dégénéré, j'en ai toujours dit, hein, c'est un bruit succède à un autre bruit. C'est-à-dire que c'est bruit sous bruit, Magayou, catastrophe sous catastrophe, pas gain campé, c'est à l'arrivée d'un moment pour le régénérer. Et c'est ça, moi, vrai, nous comprendre. Eh bien, nous prenons Barou, ce qui est emblème mystique, et vini avec des versets que nous allons expliquer de façon kabbalistique pour comprendre ce qui passe la planète actuellement et pour qui ça le monde entier agité ou même pour qu'on qui position ou même famille a bien par rapport avec tant ça fin six ça que nous arrivons la donne hein six majeur ça qui a porté un pile catastrophe et année 2024 non c'est point de départ là pour dire que bagaille pral terrible terrible terrible. Eh bien, nous allons regarder tout d'après ça qui a fait non, la fête et au Brésil. Actuellement, ça qui a passé en Haïti. Hein, Ted, la vidéo, hein, la numéro 2 pour nous regarder comment ça y est au Brésil. Ah, c'est nous tournons. Eh bien, je nous souhaite garder là, c'est que bah, ça, c'est pas seulement Haïti que l'a passé. Nous avons gardé nous comment on pont lui-même se tomber au Brésil. Tout ça, c'est avec l'appui qui presque pas un jour là, pas jamais été. Un paquet de côté a inondé au Brésil. Et c'est pas seulement au Brésil. C'est pas seulement au Brésil, c'est un bagage qui a passé. De tout côté, bien écouté, c'est vague de chaleur. OK, on pense que tête des même va laguer pour nous capable constater qui ça qu'a passé. D'un côté c'est grêle, gros grêle, genre apocalypse c'est pas rien, gain des grêle côté que grêlon yo mesuré, apocalypse ba mesure yo et gain qui va tomber avec tout du feu, genre nous constater que gain des tornades qui a passé à tout du feu là-dedans yo. Ça veut dire que c'est force jugement qui censé en branle. Donc, naturellement, il va frapper en série de côté. Je vous le frapper, nous-mêmes, nous devons rester en position, nous, mystiquement, spirituellement, pour nous rester connectés, pour nous connaître que, normalement, nous protéger en tant que peuple bon Dieu, peuple élu, mais il faut que nous ayons des guides, des mounes, c'est ça que fait. Ouais, marché précis, ça me dit toujours dit. Est-ce qu'on branle? On a regardé, causé Gélan, peut-être larguer troisième vidéo pour plusieurs côtés, n'a touché plusieurs côtés pour nous montrer comment bagarre la bouleversé actuellement sur terrain pas ça. Est-ce que vous bien et quel est côté là qui par rapport à justice cosmique là qu'a fait qui va faire gros brimade hein mais qu'il y a des côtés qui a plus protégé et nous va montrer que Haïti c'est une nan point de destinée ça yo c'est une côté ça de prédilection du nèg parce que connaît malgré tout ce temps de Haïti les mieux situés et mieux protégés, et nous pourrons expliquer ça pour comprendre de façon mystique et de façon scientifique en même temps. Ted, la guerre, troisième pour nous. Regardez, ça y est, et ça c'est en Arabie Saoudite, nous y est, on s'est de gros grêle qui a tombé. Est-ce que vous comprenez? C'est en Arabie Saoudite que nous y est. Ça veut dire que gros grêle qui a tombé.
en bien kounya la et tel donc nous ça y est en Argentine tandis que pendant que nous dans date ça yo là est-ce que on va d'aller dans question neige dans zone ça yo en bien garder comment bagalanyé en Argentine et dans date mais quoi 28 avril comment ça y est dans pays Argentine garder pour nous lagué peut-être. Comment ça y est en Argentine? Nous sommes gardés comment ça y est en Argentine. Dans la date que vous pas supposé ou neige, neige envahie Argentine. Ça, c'est en Argentine, nous sommes là ensemble avant. Haïti réveillé, il faut qu'on soit conscient de Jean Maudlin et sa capacité. Pour qu'on ait ou même comment on va positionner, on prend, ça veut dire que c'est pour montrer nous que Vakabok en Haïti qui a pensé. C'est d'un nèg comme Simdadou, ou a dit, y a vivre pour vendre yon tiyan, dans votre yon gade, ak poche yon. Yon pas besoin qu'on ait un yon, ok? Ça veut dire que, on pays sérieux, qui gen moun kap dirige, faut prévoir tout bagay, faut gen dépôt de manger, faut gen manger en stock, pour mauvais temps. Parce que gen de la nature enragé. Monsieur yon pas fait travail ça, et nan pays pas nouan, nous avons un paquet de gros que c'est étranger qui a convoité. Nous avons côté comme Simdadou, même si surface a un problème, il y a un gros guerre nucléaire, nous n'avons pas besoin de bunker nous-mêmes. Nous avons des bunkers naturels. Nous avons plus que 500 gros et des gros qui sont capables de prendre des milliers de monde et même millions. Ce n'est pas jamais préoccupation, hein, gouvernement. Il y a vivre dans le pays, il n'y a pas même besoin qu'on ait rien de terre. Là, ce n'est pas pays. Tout l'argent, c'est pour étrangers. Il y a l'investi comme en République Dominicaine, Canada, tout côté. Eh bien, il n'y a pas besoin qu'on ait un cap passé. Donc, Haïtiens, il faut nous tendre. Parce que l'émission Haïti réveillée, si vous nous avez cap tendre, c'est des privilégiés que vous. Il faut nous tendre et comprendre ce qui a passé dans le monde. Là. OK? Pendant où une neige a tombé comme ça, normalement, Jotine, bien, dans l'Asie lui-même, chaleur a mangé bon d'amour. Bien, frère, c'est que tu es rendu l'autre bon en Asie, calé, fait et en vacances, il est obligé à courir parce que là, c'est soleil qui a frappé. Là, c'est chaleur qui a frappé, c'est soleil. Là, tout est obligé à courir parce que pas prendre. Européen, ou pas prendre comme ça. Donc, nous comprenons qui ça va gagner le côté que. Le m'a parlé nous de réfugiés climatiques. Plus terrible que réfugiés économiques. Parce que le climat pas joie à moun. Premier côté ou prend existence ou subsistance ou, c'est le climat pas ou. Dans l'air ou à respirer, dans la chaleur ou à prendre dans le soleil. Dans l'eau ou dans la nature pour boire. Source alimentation, c'est là où commencer d'abord par respiration. Ou pas qu'à exister sous pas respirer. Donc, ou non matrice qui c'est nature. Ça veut dire que, nous comprenons gros pays ça yo, qui commence à comprendre et grand scientifique qui vient tout le monde, comment yo convoite terre. Là, nous parlons question de mine seulement. Yo convoite comme un espace qui est agréable, que y a confortable, que si yo vin là par rapport à climat, par rapport à un ensemble de bagay, c'est là qu'a bon pour yo vin cacher. Nous avons souhaité nous bien comprendre ça. Ça qui arrive là dans le cap, c'est ignorance nous. Des gens qui construisent mal. C'est magistrat qui n'a pas fait le travail. Qui quitte les gens qui construisent les portes qui jettent. Ça veut dire que c'est un moment pour nous veiller sur le ça. Urbanisation. Sur l'infrastructure. Pour nous mettre. Accent sur yo, comment construction vous faites? Eh bien, bon, dans l'institution ou dans Haïti, ou par contre, c'est à régler, ok?
bon ministère environnement ou par contre ça nèg la régler la donne. Est-ce que moun nan gen niveau pour ça, qui formation te suivre? Comprenne, yo pas comprendre rien dans rien. Tel dans regarder gens ça y est en Asie pour moun yo comprendre que le monde entier. Parce que me dit nous ça, c'est pour ça me dit nous le monde bouleversé. Préparez-nous en conséquence pour nous pas passer dans sa guerre là.